On débute aujourd'hui une petite activité d'automne avec de la peinture et des feuilles que nous avons ramassées à l'extérieur. Alors, j'ai fixé assez rapidement les feuilles avec un petit peu de colle, un petit peu de colle blanche comme celle-ci. Je les ai fixées sur une feuille blanche. Voilà. J'ai pris des feuilles sur lesquelles éventuellement il n'y aurait pas de trous. Parce qu'on va essayer de peindre un petit peu partout, et s'il y a des trous, ça va aller à l'arrière de la feuille, du coup ce sera moins esthétique, enfin, le rendu ne sera pas celui qu'on voudrait exactement. L'objectif, attends, je vais te donner après. L'objectif en fait, c'est de peindre tout autour de la feuille afin de laisser l'empreinte de la feuille, de l'arbre, sur la feuille blanche. Voici une autre idée d'empreinte de feuilles d'automne. Donc on a une feuille morte. Et en fait, cette fois-ci, on va peindre la feuille avec plusieurs couleurs. Et ensuite, on va retourner la feuille sur une feuille blanche, on va tapoter et on va réaliser l'empreinte de cette feuille. Maintenant, on va prendre une nouvelle feuille blanche et on va poser ta feuille dessus. Attends, pas sur celle-là. D'accord? Voilà une nouvelle feuille blanche et on va poser ta feuille dessus et tu vas appuyer comme ça doucement.